Les inepties de Basile, homme chèvre humoriste. Allô, allô, je m'appelle Basile. Pour ceux qui se posent des questions, dites-vous que c'est ça qui arrive quand il y a trop d'humoristes qui veulent fourrer des chèvres. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue au groupe du Congrès international des Capitaines Crunch! Cric, crac, croc! Non, c'est pas ça. Un vrai régal! Deux pelletés de raisin! En tout cas, félicitations pour vos six éléments nutritifs essentiels! Moi, je suis allergique au tréma. Oh oui, moi, je suis allergique au tréma. Comme je me souviens une fois à Noël. Asna! OK, ça me fait penser. Je vais vous donner un cadeau, OK? Je vais vous donner un cadeau. Je vais vous donner trois fins de phrase, OK? Trois fins de phrase. Un, parce que je peux pas manger l'alphabet aux États-Unis, je suis pas bilingue. Deux, va falloir que tu me passes sur le corps si tu veux rentrer par là. Puis trois, c'est pour ça qu'on l'a appelé l'homme aux jointures paraboliques! Vous mettez tout ce que vous voulez devant pour faire rire, je viens de vous donner trois jokes dont vous êtes le héros. Ah! Hey, y'a du monde lettre, hein? Eh, maudit qu'il y a du monde lettre! Ben l'autre jour, là, j'ai vu un gars tellement lettre que j'ai voulu organiser un téléthon pour sa face! Lui, là, à son baptême, le curé a regardé ses parents puis il a fait «Ish! Êtes-vous sérieux?» Il n'y a pas juste des lettres aussi, hein? Non, il n'y a pas juste des lettres, il y a aussi des grosses. Oh, maudit qu'il y a des grosses. Ben moi, là, je connais une fille tellement grosse que quand t'es couché avec, tu tournes d'un bord, elle est là, tu tournes l'autre bord, elle est encore là! Elle a pas les deux fesses dans le même fuseau horaire! Elle, là, est tellement grosse qu'il faut qu'elle mette son excédent de poids sur sa carte de crédit. Un moment donné, son mari s'est essayé pour y faire un cunnilingus. On l'a jamais retrouvé! Effet sonore de succion! Hey, avez-vous remarqué aussi? Avez-vous un gars qui a déjà mangé une boîte de crayons Prismacolor au complet. Le lendemain, il a chié l'arc-en-ciel. Les filles, je veux vous sachiez que je vous comprends. Je vous comprends. Moi aussi, je peux faire du lait. Mais les gars, capotez pas, parce qu'un jour, l'évolution va faire que vous allez pouvoir éjaculer du Mapo Spread. Viens ici, chérie, je vais sucrer le bec. Y'a du monde qu'on n'imagine pas en train de faire des cochonneries, hein? Non, y'a du monde qu'on s'imagine pas en train de faire des cochonneries. Comme les lecteurs de nouvelles. Les lecteurs de nouvelles, on s'imagine pas en train de faire des cochonneries. Ah oui. Branle-la toute, Colette. Regarde-moi par les yeux. Ah oui, Colette. En prends-la toute. Ah oui, c'est bon. Colette. Voici la bonne nouvelle géante. Hey, je me suis déjà fait arrêter, moi. Oui, je me suis déjà fait arrêter. L'été passé, vous avez pas vu ma face dans le journal, première page? Rififi au bar laitier. Rififi au bar... Regarde, je ressemblais à ça. Puis de profil. En tout cas, c'est pas grave. Tout ça pour dire que moi, l'été, quand je veux mon lait glacé, je le veux tout de suite!
Après ça, j'ai fait de la prison. Ah oui, j'ai fait de la prison. C'est là que j'ai découvert que les prisonniers, ils aiment ça faire des jeux de société. Oui, oui, ils font des jeux de société parce que dans ma cellule, ils jouaient à qui est-ce. Ils jouaient à qui est-ce, ils jouaient à Guessou. Il y avait un gars qui était penché devant tout le monde. Puis là, ça arrivait, puis ça tapait des mains. Puis les joues à bander, il était penché, puis il faisait... Un gars qui m'encule, là. As-tu des yeux bleus? Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a une moustache? Aussi? A-t-il par hasard les cheveux roux? Ouais! Ben Chris, c'est Herman! Ben oui, c'est Herman! Traverse de crotte de montagne! Ça c'est deviné. Mais... Moi, ça me fait rire les gens qui font pas la différence entre un alligator et un crocodile. Ouais, je trouve ça drôle. Pourtant, c'est facile. Un alligator, ça a deux bosses. Hey, la radio communautaire, c'est cheap. On maudit que c'est cheap, la radio communautaire. Mais moi, là, je connais une radio tellement poche, là, qu'elle fait ses émissions en masse. Les entrevues sont longues en maudit. Oh non, il n'y a pas de ça! Puis ça, là, c'est après des subventions. C'est après les subventions parce qu'avant, là, avant, ils faisaient de la radio en signaux qui fumaient. Oh ouais, en signaux qui fumaient. Le premier ministre a déclaré. Coudon, là, c'est combien de petits nuages? Deux points, ouvrez les guillemets. Moi, là, j'ai déjà chanté dans un groupe rock. Oh, ouais, j'ai déjà chanté dans un groupe rock. Puis je faisais. Parce que j'aime ça faire du horn banging. Ouais, j'aime bien ça faire du horn banging. Ok, je vais faire une performance. Une performance. J'ai plus de lait chaud. On peut-tu m'amener du lait chaud? J'ai plus de lait chaud. On peut-tu m'amener du lait chaud? Yeah! Yeah, du lait chaud, bien! Yeah! TV. Ok, fait que c'était ça. Donc c'était ma dernière animation, c'est Cibois. Merci beaucoup. Bonsoir.